like so much to go to school because I like to educate myself to know many things. It's so difficult because the dangerous animals. When I see something once, I have to go back. I can't spend too hard to go back. Hello. Quel est le personnage que vous avez préféré? Jordan, je sais pas si c'était ça. Jackson. Les deux ils étaient mignons, parcourir un aussi long chemin pour aller à l'école tous les deux. Pourquoi ils ont envie d'étudier? Pour pouvoir vivre plus tard, pour évoluer par rapport à leurs parents. Oui, pour évoluer par rapport à leurs parents. باش تعلم باش نفتح في العالم غلي غراس المدرسه ضرني غراس التزدر غتصبر وليني غير داتك تيغ الاحلام بالامل لي سنتيني غير طراد تسربيان والو ما يغسل ظاهره ستيلي اتمي عام بي افلام جوبي J'ai vraiment vécu la situation de ces enfants. Je faisais aussi des kilomètres pour aller à l'école. Où le ça matin, vous au Gabon, êtes... j'étais au Gabon. Oui. Bon, bien sûr, le Gabon, c'est un peu plus riche que le Kenya. Oui. Et tout ça, mais j'ai vécu cette situation-là. Le matin, il fallait se lever très tôt. Il fallait faire le manger pour tout le monde très tôt avant d'aller. Il fallait faire ses corvées très tôt. J'allais en plantation avec mes arrière-grands-parents avant d'aller à l'école. Donc, j'estime que c'est vrai que c'est une richesse quand même d'avoir. Ici en France, la chance de pouvoir se lever le matin, le petit déjeuner est prêt, tout est prêt pour aller à l'école. Alors que dans ces pays-là, on voit ce qu'ils ont mangé, hein, c'est pas grand-chose hein, au départ. Donc c'est assez difficile. Et je trouve que pour les enfants de France ou d'ailleurs, hein, c'est vraiment intéressant de voir comment les autres vivent. Je trouve que ce film c'est très intéressant, que ça nous apprend beaucoup de choses sur les autres pays et que ça peut nous faire réfléchir sur notre chance qu'on a d'être dans un collège ou une école primaire comme les personnes qui m'entourent. Super bien, à quelques minutes de chez nous, et avec des bons professeurs, des bons cours, alors qu'il y en a qui doivent traverser des kilomètres et des kilomètres. L'école, pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est un devoir, une obligation? Un devoir d'y aller, parce que faut bien étudier aussi. Enfin, c'est un peu une obligation, mais faut pas vraiment... Enfin, je veux dire que c'est vraiment pour les enfants africains, marocains, c'est vraiment une joie d'y aller parce que c'est rare d'y aller dans ces pays-là. La escuela para mí es importante porque te enseña muchas cosas. Yo quiero seguir viviendo con los animales, pero quiero tener otra clase de vida. Rico acá le va a regalar esta chiquita para que le haga bien en el viaje para la escuela mañana. Chao, hijo. Suerte. Cuida mucho a tu hermanita, Atención. Esta parte peligrosa. Est-ce que vous aimeriez être à leur place? Non. Enfin, on a tout à notre disposition presque.
Et eux, enfin, qu'ils aillent chercher de l'eau ou faire le trajet de l'école à cheval, aller aider leurs parents. Enfin, parfois, quand on mange, quand on voit manger Carlito, enfin, nous, on mange dans des assiettes avec des couteaux et des fourchettes. Enfin, peut-être pas avec des couteaux. Enfin, si, quand même. Mais, enfin... Ça te semble dur comme façon de vivre. Enfin, ça... Après, c'est peut-être qu'ils sont habitués dès la naissance, mais nous, enfin... Quand on voit comme ça et quand on a déjà vécu, enfin, non. Ça me paraît pas facile. Et est-ce qu'ils ont une forme de liberté Oui, enfin, quand même, parce qu'ils sont proches de leurs bêtes. Oui. Proches de leurs bêtes et de leur paysage. Enfin, de leur endroit où ils vivent, je pense. Donc vous n'échangeriez pas leur vie avec la vôtre? Non.